comme il semble. Le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Voilà, Jésus a tombé la main. Nous acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Le Père de la Sainte Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit béni. Voilà, Jésus Christ a tombé la main. Lui qui nous a accepté, qui nous a créé encore dans sa présence. Si tu es ici ce matin, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Amen. Et cela n'est pas en vain. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Afin que ce jour-là, tu sois présenté sans ride, sans tâche. Afin que ce jour-là, tu sois participant de la joie qui doit être révélée au sang. Amen. 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 Et physiquement aussi, le Seigneur est en train d'ouvrir ton chemin. Le Seigneur est en train de te bénir. Le Seigneur est en train de te donner des victoires dans tous tes combats. Parce que tu es son fils. Et il ne t'abandonnera jamais. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de miséricorde. Amen. Amen. Et le psalmiste dit, sans l'Éternel, qui nous délivrera? Qui Israël, qui nous délivrera? Que l'Éternel, que Israël le dise. Non, qu'Israël puisse témoigner cela. Israël a tapé la yamou. Et sans l'Éternel, qui nous délivra? Sans qui n'a l'Éternel, on va. Amen. Amen. Regarde partout où tu es passé. Dans les combats que tu as endurés. Mais le Seigneur t'a donné la victoire dans tous ces combats. Le Seigneur a fait triompher ta cause. Il y a même des gens qui projetaient de te faire du mal. Mais le Seigneur a pu déjouer toutes ces choses-là. Parce qu'il t'aime toi. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu à ton égard. Et puis sois rassuré que personne ne te fera du mal. Personne ne t'opprimer. Comme le Seigneur t'a délivré dans des anciens combats, il te délivrera aussi même dans des combats en vie. Afin que tu sois de plus en plus fort. Comme David avait dit devant Saoul. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte des loups. Et de la gueule de lion. Il va me donner aussi la victoire devant cette circonstance. C'est comme ça qu'il faut témoigner dans ta vie. Tu n'es pas un petit homme, tu es un vainqueur. Je me rends donc rassuré que tu es au bon endroit. Vraiment, ce matin, tu es au bon endroit. Il ne pose même pas beaucoup de questions quant à ce, tu es au bon endroit. Et un endroit qui est différent de tous les autres. Amen. Parce que quand Dieu venait sur la terre, il n'allait que chez dans la maison d'Abraham. À cette époque-là, il y avait aussi beaucoup de maisons. Mais Dieu n'allait que chez Abraham. Si vous pouvez remarquer deux papas en train de s'entretenir. Deux papas en train de s'entretenir. Mais c'était l'Éternel avec Abraham. Aujourd'hui
rassemblés, les gens qui se disent en train de prier, et quelque chose comme si c'est la coutume de tout le monde. Mais chez nous, c'est vraiment la rencontre des saints avec le Tout-Puissant. Il faut croire comme ça. Parce que c'est la vérité. C'est pourquoi nous disons toujours que notre assemblée est redoutable. Et cela ne vient pas de nous, cela vient du Seigneur Jésus lui-même. Alors sois rassuré que Dieu est avec toi ce matin. Et tout ce qui se passera ce matin dans ces lieux, et sera que pour la gloire de Dieu. Donc il faut toujours te fortifier. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes, nous continuons avec notre enseignement sur les choses conformes à la saine doctrine. Et on était arrivé sur la piété. Et là, nous parlions sur les repas du Seigneur depuis le vendredi passé. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre nos textes. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Jusqu'au verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez. Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Secte, c'est comme des divisions des gens qui sont en train de confesser quelque chose qui n'est pas la parole. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? C'est une question. Où faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Où vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit:
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Le verset 33 dit, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous, attendez-vous les uns les autres. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 41. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Alors, ils rompaient le pain dans les maisons.
dans les maisons et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous pouvons nous rasseoir. Nous prenons à Exode chapitre 12, le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysopes, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent. Et les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Nous inclinons nos têtes. Nous recommandons cet entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le véritable enseignant de l'alliance. Seigneur, enseignez-nous, Dieu. Seigneur Jésus, parlez-nous. Enseignez-nous, Seigneur, dans écoutez ta parole. Et le cœur s'ouvre, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'oreille comme des disciples. Et ouvre le cœur, Seigneur, à ta parole. J'aimerais ainsi prier. Nous avons ainsi prié de la grâce. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Je crois que la joie du Seigneur est encore au milieu de nous. Nous
continuons avec notre enseignement. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui est notre enseignant. Parce que dans cette alliance, nul n'enseignera son frère. Nul n'enseignera son prochain, connaît Dieu. Mais Dieu lui-même va nous enseigner toutes choses. C'est l'esprit qui est l'esprit et la vérité. J'avais dit que nous enseignons ces choses conformes à la sainte doctrine. Pour que nous puissions aussi l'appliquer dans l'église. L'église qui ira en enlèvement. C'est l'église qui garde les choses conformes à la sainte doctrine. C'est pourquoi nous prêchons sur la sainte scène. Qui est le repas du Seigneur. La scène veut dire seulement les repas. La scène, c'est les repas. Maintenant, on dit sainte scène, c'est-à-dire les repas qui est sacré. Parle lentement pour que vous ayez fini. La sainte scène, les repas sacrés. Et c'est ça que nous sommes en train de parler. Parce que c'est une pratique qui doit être faite aussi dans l'église de Dieu. On avait dit que les croyants doivent pratiquer cela. Ce n'est pas une pratique étrangère à l'église de Dieu. Parce qu'on a dit ceci. Toutes les fois que vous célébrerez ces repas, vous serez en train d'annoncer ma mort jusqu'à ce que je vienne. Donc on célèbre ça en souvenir de la mort du Seigneur. Et on avait dit que ces choses ne sont pas tombées du ciel d'elles-mêmes. Mais ces choses avaient leur ombre dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi on avait parlé de la Pâque. Nous sommes déjà dans notre enseignement, ne soyez pas distraits. Ne regardez pas ceux qui entrent et qui viennent en retard. Parce que nous sommes déjà dans notre enseignement. Ainsi que ces choses ont leur ombre dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi on a parlé de la Pâque. On avait dit ceci. La Pâque dans l'ancienne alliance ne fut célébrée qu'une seule fois. C'était pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Que le peuple puisse se défaire de la servitude. Lorsqu'on a célébré la Pâque, la Bible dit que l'exterminateur, quand il passait, il ne frappait pas dans les maisons des enfants d'Israël. Mais il frappait dans la maison des Égyptiens. Parce que dans leur maison, la Pâque n'était pas célébrée. On dit ceci, l'exterminateur passait outre. Donc c'était pour sauver le peuple. Il frappait les maisons des Égyptiens. Là-bas, il causait les deuils. Et c'est ce qu'on appelle Pâques. On passait outre. On passait sans toucher les maisons des enfants d'Israël. Les gens qui diront Pâques, ce sont les enfants d'Israël. Donc ils diront que l'Éternel a passé outre nos maisons. Donc la Pâque, c'est pour les enfants de Dieu. Pourquoi Paul disait que Christ est notre Pâque? Il s'est immolé. Je voulais dire que dans l'ancienne alliance, la Pâque fut célébrée une seule fois. Mais toutes les Pâques qui suivaient, toutes les Pâques qui venaient après, c'était en souvenir
de la Pâque qui était célébrée à l'Égypte. Mais on a appelé les Pâques qui étaient célébrées à Pierre là-bas. On a appelé ça usage sacré. Amen. On a appelé ça usage sacré. Lorsqu'on va demander au peuple, pourquoi vous célébrez cette Pâque? Ou lorsque les enfants qui viendront après vont poser la question à leur père, pourquoi on est en train de célébrer la Pâque? Le Seigneur nous avait sauvés par la Pâque. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le pays, nous venons observer cet usage sacré de la Pâque. Cela veut dire que les Pâques qui venaient après, c'était toujours en mémoire. C'est pourquoi, frère, dans la réalité des choses, la Pâque véritable, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, Christ, notre Pâque a été immolé. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5 que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, la Pâque, dans la réalité, c'est Christ qui a été immolé à toi. Il est notre Pâque. C'est celui qui a été immolé. Et c'est ce que le frère Paul est en train de nous dire. Et que toutes les fois qui venaient après là-bas n'étaient qu'un souvenir de cette Pâque-là. Comme aussi dans la réalité, la Pâque c'est Jésus-Christ. Il doit y avoir aussi un usage sacré en souvenir de la mort de Jésus-Christ. Et cet usage sacré en souvenir de la mort de Jésus-Christ. C'est ça la Sainte Seine que nous prêchons. C'est ça la Sainte Seine que nous prêchons. Amen. Parce qu'on a dit, à chaque fois que vous célébrerez ce repas, vous serez en train d'annoncer ma mort. La mort de Jésus, c'est ça la Pâque. Et comment on célèbre la Sainte Seine? Et le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des symboles qui représentent ça. Le corps comme le pain sans levain de Jésus. Un corps sans péché. Et le sang comme le vin, la coupe de vin. C'est avec ça qu'on célèbre la Sainte Seine. Et lorsque nous prenons ce repas-là, nous sommes en train de nous souvenir de la mort du Seigneur. Nous sommes en train d'entrer en communion avec le corps et le sang du Seigneur. Là, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10.
Je demande que vous puissiez nous suivre attentivement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Amen. Amen. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Amen. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes qui ne sont pas, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je encore? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Aucune idole est quelque chose. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Lorsque nous mangeons une partie chacun, alors nous participons à ces corps-là. Nous entrons en communion à ces corps-là. Lorsque nous prenons aussi cette coupe, nous entrons en communion avec le sang du Seigneur. C'est pourquoi j'avais dit, un chrétien ne peut pas fuir la Sainte Seigne. Comme nous voyons des chrétiens aujourd'hui, ils ont peur de la Sainte Seigne. Alors je vais te poser la question. Tu fais partie de quel corps? Toi, tu fais partie de quel corps? Parce que tu manges la Sainte Seigne pour montrer que tu fais partie du corps de Christ. Tu vois les sangs là? Communion avec le Seigneur. Et j'avais dit ceci. Ce n'était pas des choses à célébrer dans des grands écarts de temps. C'était leur vie. C'était comme la prière. L'enseignement. Ils pouvaient se réunir seulement pour célébrer la Sainte Seigne. Ils se disent aujourd'hui, on va enseigner un peu, on va prêcher un peu. Mais notre réunion vraiment c'est pour la Sainte Seigne. C'est comme ça que ces choses-là s'est passées du temps des apôtres. On dit qu'ils persévéraient, ceux qui en ont cru. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc ils avaient l'habitude de venir écouter beaucoup la parole. Ils étaient là en communion fraternelle tous ensemble.
Ils partageaient leur nourriture ensemble. Ils vivaient comme des frères et des sœurs dans l'amour. Et tout ça, on appelle ça communion fraternelle. Et on ajoute encore dans la fraction du pain. La fraction du pain dont il est question là-bas, c'est la sainte sève. C'est les repas du Seigneur. Vous allez entendre l'autre dire, tu vois, fraction du pain. Le pain là, c'est la parole. C'est le spirituel. Non, tu as mal lu. Il y a déjà l'enseignement, chose spirituelle. L'enseignement des apôtres, c'est ça qui est spirituel. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui disent que c'est le pain spirituel, la parole. Non, ça, c'est pas le pain spirituel. C'est vraiment le pain de la sainte sève. Ce qui est spirituel, c'est déjà l'enseignement des apôtres. Oh non, d'autres disent que c'est pas la fraction du pain, c'est la nourriture en commun. Non. La nourriture en commun, c'est dans la communion fraternelle. Quand les frères communient ensemble, ils partagent aussi les repas. Mais ceci, il faut savoir que le plus souvent, quand ils célébraient la Sainte Cène, c'était aussi pendant les repas fraternels. Ils célébraient aussi la Sainte Cène. Comme Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 26. Ils étaient d'abord là en train de manger. Après les soupers. Les soupers, c'est la nourriture du soir. Les déjeuners, c'est la nourriture du matin. Les dîners, c'est la nourriture de midi. Mais ici, on dit après les soupers. Ils mangeaient. Et après cela, ils ont célébré la Sainte Cène. On dit pendant qu'ils mangeaient, Jésus directement a levé les pains. Ça, c'est prophétique aussi. Il mangeait beaucoup de pain, mais directement, il a levé un pain. Il a signifié que c'est son corps. Parce que la nourriture qu'il mangeait là, c'était comme la loi, les psaumes et les prophètes. Les prophètes étaient aussi comme des corps. Le pain, ça, les vins aussi. Le corps de Jésus, c'est leurs enseignements. Jésus a levé un pain. Le pain qu'il a levé, c'est le corps de Jésus. Amen. Le pain qu'il a levé, c'est le corps de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il a signifié. C'était pendant les repas fraternels, il célébrait aussi la Sainte Cène. Et ce n'était pas dans des écarts de temps très grands. Comme nous voyons aujourd'hui dans les églises, on peut compter les années. On n'a pas célébré la Sainte Cène. Ça n'existe pas dans la vie. Dans la doctrine des apôtres, ça n'existe pas. La Sainte Cène, c'était leur vie. Ils célébraient la Sainte Cène. Amen. Il célébrait la Sainte Cène couramment, frère. Mais aujourd'hui, on ne la célèbre pas. Les gens ont tellement peur parce qu'ils vivent dans les péchés. J'avais dit en commençant par les pasteurs jusqu'aux nouveaux convertis. Ils sont tous dans les péchés. Non, frère. À célébrer les saintes scènes dans l'église. Parce que nous ne sommes pas appelés à suivre. Nous ne sommes pas appelés dans la vie du péché. Donc nous sommes là, on se connaît déjà qu'on ne peut pas célébrer la sainte scène parce que nous sommes impurs. C'est pas ça. Prenons la vie de la prière au Seigneur. La vie de la sanctification. Et c'est là où vous
aider à célébrer constamment aussi les repas du Seigneur. Parce que ce repas, c'est en souvenir de la mort. Tel que nous sommes là, nous les chrétiens, jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Que nous puissions rester là 10 ans, 7 ans, 3 ans, 1 année, 6 mois, sans penser au Seigneur qui était mort. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas. Mais aujourd'hui, tellement qu'il y a la vie du péché, tellement que les gens se sont embrassés dans le mal, alors ils ont légitimé ça. Parce qu'ils savent qu'il y aura des dégâts dans leur cœur. On doit se sanctifier. Nous ne sommes pas des gens qui acclament les mains. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous ne sommes pas des gens qui se soutiennent dans le péché. Nous sommes des gens qui attendent le Seigneur dans la sanctification. Si ça ne va pas dans notre vie, on confesse. Si ça ne va pas, c'est un péché. Tu confesses. Celui qui ne mange pas la scène, c'est le péché. Tu ne manges pas la Sainte-Seine. Tu pêches. On organise la Sainte-Seine à l'église. Et maintenant, le président de l'église s'abstient de manger. Les patients, lui non plus, ne mange pas. Tu ne manges pas. On est celui qui n'est pas en voyage. Ou celui qui n'a pas été souillé par un mort. Mais qui refuse de manger. Il ne pêche pas les tuer. Alors si vous ne pas pour manger. On parle de l'écriture de l'homme. Il faut revenir à ces choses, frère. On n'a pas un autre chemin. Nous, on a besoin d'entrer au ciel. Je crois que c'est aussi votre souci. Pour entrer au ciel, on doit revenir sur ces choses. Le corps doit être purifié. Tout le monde doit sentir qu'ici, on ne fait pas, ce n'est pas pour les péchés qu'on est venu ici. Parce que lorsque vous vous réunissez, c'est pour devenir meilleur. C'est comme nous les chantons toujours dans nos cantiques. Je me presse sur la route du ciel. Nouvelle hauteur, chaque jour je gagne. Nouvelle hauteur, chaque jour je gagne. C'est ça devenir meilleur. Si c'est pour être grandi, on doit rentrer dans le monde. Mais ici, on vient pour devenir meilleur. Écoutez ce qu'on dit. Dans Nombre chapitre 9, parce qu'il était question de la Pâque ici. La Pâque se célèbre au premier mois, le 14e jour. Et la Pâque, c'est le premier jour même de la fête des Pères sans les mains. Amen. La Pâque, on la célèbre le 14e jour au soir. C'est d'abord les prières, c'est encore le premier jour de la fête des Pères sans les mains. Mais il s'était posé un problème. Il y avait d'autres qui étaient en voyage et d'autres qui étaient souillés par un mort. Alors ils ont posé à Moïse la question, que devrions-nous faire? Alors le Seigneur leur dit de célébrer au second mois la Pâque. C'était à leur deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. Cette deuxième année là, on a célébré deux Pâques. Mais dans la première année, ils n'avaient célébré qu'une seule Pâque.
C'est prophétique parce que la première année c'est la loi. La Pâque qui est la parole, seul Israël avait mangé du temps de la loi. C'est comme Daniel. C'est comme les temps de la grâce. Alors on va célébrer deux Pâques. Cela ne veut pas dire que Jésus va mourir deux fois. Non. C'est pour montrer que deux peuples vont participer à l'œuvre de Jésus qui se met dans des temps différents. L'Éternel parla à Moïse et dit, dans le désert de Sinaï, les premiers mois de la seconde année après la sortie du pays d'Égypte, il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé. Les 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et qu'ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Israël. Il eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes disent à Moïse, nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel? Au milieu des enfants d'Israël, Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Parce que Moïse était un pasteur fidèle. Il est rentré chez l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts et a un voyage dans le pays lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Écoutez maintenant. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Ici, on a montré clairement, si tu es pur, tu n'es pas en voyage, mais tu t'abstiens de célébrer la Pâque, tu mérites la peine de mort. Pourquoi nous disons, celui qui ne mange pas la Sainte Seine,
la colonne pêche. Alors, il est dans les péchés. Alors, les soumou. Amen. Il est dans les péchés. Alors, les soumou. Nous ne pouvons pas être là, on organise la 7-7. La première personne à s'abstenir, c'est le président du culte. Lui-même qui nous préside ici, c'est un licencien. Alors directement, on va t'appeler là-bas à les confesser. C'est que tu es dans les péchés, mais tu es en train de nous présider. Dans les péchés. Et l'enseignement a révélé ton état que tu es dans les péchés. Toi, tu nous prêches ici, mais toi-même, tu t'abstiens de manger la sainte. Tu es dans les péchés. Dans les péchés et tu manges la sainte sainte. Oh, mais quand la vie, c'est pourquoi il y a votre vie. On doit toujours garder la vie de la sanctification. Il y a vos sables, c'est bien tout battre la main. On ne peut pas appeler au péché. Regarde la main à ma soupe. C'est ça que quelque chose te retient. Donc, il y a un autre travail. La vie du mal. Oh, il y a ma paix. La vie des impudicités. Oh, il y a mon tumba. Tu as ça dans ton cœur parce que je sais que tu en as. Il y a une confession là qui te retient. C'est un erreur parfois lourd. Même au culte que tu n'arrives pas à chanter. Tu ne peux même pas dire amen. Les petites filles qui ont honte. Honte de chanter. Toi, tu as un amas à l'église ou comment? Non, tu as un amas à l'église. Vous savez voir les frères, les jeunes frères. Des paresseux dans les choses de Dieu. Des paresseux dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations illicites. Des relations illicites. Les gens disent ici viennent comme des frères, des sœurs, mais on est là-bas. Ils sont dans des relations diaboliques. Nous ne sommes pas appelés à cette vie-là. Si on ne vient pas légitimer ça, et on ne légitimera jamais. Nous tous, si nous sommes dans les mal, on doit se rabaisser. Il faut confesser ses péchés. La Sainte Cène. C'est aussi le thermomètre de la sanctification de l'Église. On cherche la sanctification, mais Dieu avait déjà tout mis pour qu'il y ait une sanctification. On cherche la sanctification, mais il y a tout pour qu'il y ait une sanctification. C'est le repas du Seigneur. C'est un souvenir de sa mort. Je sais que ça fait mal, mais c'est la seule voie obligée. Parce que le chemin de la vie éternelle, c'est la porte étoile. Je dis même moi, votre frère. Je cours aussi à la perfection. S'il y a quelque chose qui me retient, je confesse. Personne n'est spécial. Nous courons pour emporter la couronne. Peut-être c'est ce qu'on ne vous dit pas. Nous tous nous courons pour emporter la couronne. Nous, on légitime pas toutes ces choses-là. Nous voulons vraiment que Dieu soit terrible. Si Dieu est terrible, nous appliquons seulement ces choses que nous prêchons. Le Seigneur va étouffer toute la vie, même les sorciers, il va les étouffer. Le Seigneur va commencer à chasser les impies qui s'y vont, commencer à les chasser. Les gens qui pêchent. Le Seigneur va les exposer. Le Seigneur va les juger. C'est pas seulement une simple parcelle où les gens viennent. Ils entrent puis ils sortent. Et parfois, c'est pas est-ce qu'on a Dieu ou pas. On a Dieu. Mais le problème, c'est les sacrifices perpétuels. J'avais parlé sur les sacrifices perpétuels. On veille sur ça. Et la Sainte-Sainte
celle aussi en fait partie. Si on attaque les sacrifices perpétuels, on veut éteindre les feux dans les temples. Alors il faut y veiller. On va déjà donner les canards. Comment l'église fonctionne? L'enseignement des apôtres. La fraction du pain. Vous allez faire les prières. On étouffe ces choses-là. Il a aussi d'artificier d'étouffer l'église. On est en train d'étouffer l'église. Un homme de Dieu, c'est pas seulement venir ici prêcher à la longueur du jour. C'est aussi vivre la vie de la sanctification. La vie de la sanctification. Parfois, si on ne constate pas certaines choses dans nos assemblées, comme la puissance de Dieu, c'est parce qu'il y a trop de légèreté à la tête. Vraiment que Dieu nous pardonne. Qu'il nous donne vraiment la force de marcher dans la sanctification. Que nous les prédicateurs même de cette église, que nous ne soyons pas des scandales. Il y a une maman qui m'avait appelé de quelque part. Et elle me dit que je n'ai pas amené les enfants à l'église. Parce que dans notre église, c'est à chaque fois qu'on passe là-bas devant, les prédicateurs se battent. Et puis moi, je n'aime pas que mes enfants puissent intérioriser ça en eux. Bon, on a donc quoi, il y a des bon, on a un à chaque fois que je viens avec mes enfants à l'église, il y a toujours des livraisons. D'accord, nous sommes là, maman, le sable, papa, on arrive à tout ça. Il y a des livraisons de prédicateurs que mes enfants respectent beaucoup. Et puis on cite les choses aussi nommément comme ça dans plein ensemble. Mais ma avec l'éducation que je donne à mes enfants, je les trouve vraiment mal séants. Ça m'a fait très mal. Et ça n'est pas ma vie. Ça m'a fait vraiment très mal. Et ça n'est pas ma bénédiction. Et c'était devenu même mon sujet de prière. Et comment qui dit comme ça vous savez? Que nous ne puissions pas être des sujets de scandale pour le peuple. Jésus disait, je me sanctifie moi-même pour eux. Alors qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vie. Tu peux être prédicateur de la vérité. Mais si tu ne te sanctifies pas d'abord toi-même, la vérité que tu prêches ne sanctifiera pas les gens. C'est Jésus qui l'a dit. Si je me sanctifie moi-même, je commence par me sanctifier. En Dieu, consacré lui-même. Alors lorsque lui va prêcher à ses disciples la vérité, alors, la vérité là va sanctifier leur cœur. Aujourd'hui nous remarquons les prédicateurs qui prêchent comme ça la parole est sans effet. On prêche la parole mais il n'y a pas même de confession. Toute une année, personne ne veut y confesser. Et puis la confession, ça veut disparaître au milieu de nous. Oh non, ça c'est pour les catholiques. Qui t'a dit ça? Toute une année, les personnes ont réussi peut-être que 5 confessions sereinement. Non, il y a la vie du péché. Mais alors, le temps ne voit pas la vie de Dieu se manifester parmi le peuple. Non, non, j'ai dit, alors, le temps. Donc, les gens ne veulent pas confesser. Mais alors, le temps, il n'y a pas les ailes, il n'y a pas la vie de Dieu. Je refuse de vivre une vie de la sanctification. Alors, le temps, les gens refusent la prière. Jésus avait dit, veillez et priez. Non. Jésus avait dit, il ne pas tomber en tentation. Pourquoi la
Mais tu es hypocrite dans le péché. Donc on est content que nous. Toi tu viens rarement au culte. Et on le sent. Et tu ne connais même pas quel jour tu as assisté au culte de la semaine. Les prières d'intercession même n'en parlons pas. Oh, il y a le c'est toi qui viens nous affirmer ainsi que tu vis la sanctification. Non. Tu ne fais pas ça. Je disais que le prédicateur lui-même doit commencer par se sanctifier. Parce que le problème, c'est pas vraiment le peuple. C'est beaucoup plus ceux qui sont devant le peuple. S'ils donnent un temps, tout s'arrange. Si la pasteur est sérieux, il n'est pas un prédicateur. Il n'est pas cupide. Il n'est pas hypocrite. Vous allez voir aussi les restants des frères aussi seront comme lui. Parce qu'il sera un modèle pour eux. Mais s'il est dans les impudicités, s'il est dans les scandales, la suite aussi sera comme ça dans la salle. La suite aussi si, sera comme ça. Parce que le fidèle Seigneur même lui, il a fait ça. Oui, tu on l'avait livré, mais il est retourné. Il est même en bonne santé. Là, ils ont coupé, ils ont c'est détruire la vie des gens. C'est ça que Paul a dit. Vous suivez avec vos pieds des voies droites. Pour que celui qui est voité ne dévie pas. Parce que nous sommes là dans les choses de Dieu. Il y a aussi ceux qui boitent. Ceux qui n'ont pas encore bien compris les choses de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore affermis comme toi. On dit pour préserver ses frères-là. Toi qui es devant lui, suis avec tes pieds de voix droite. Ça va faire que ton frère s'affermisse. On avait dit à Job, ta justice te profite qu'à ton frère. À ton frère. On dit, mais si vous êtes là, avec des racines et d'amertume, qui produisent des rejetons. Ça va produire des troubles et plusieurs seront infectés. C'est ça les problèmes. Quand les gens qui sont devant, ils sont dans la vie du mal. Ils sont dans la vie de l'hypocrisie. Ça infecte l'église. Ça dévore. On vit une mauvaise vie. Je te vois, tu es là. Amen. Et il lui dit, affermis ceux-là qui sont prêts de mourir. Affermis ceux qui sont prêts de mourir. Donc quand les gens meurent dans les péchés comme ça, il y a aussi des gens qui leur suivent prêts de mourir. Alors, mais selon les exemples de toi, relève ton vie et affermis ceux qui sont prêts de mourir. L'assemblée telle que nous sommes là, l'assemblée du Seigneur, ne s'égarde que par nous. Parlons pas des règles comme les règles des gens du monde, non. Ici, ce n'est pas les partis politiques. Ici, ce n'est pas la ritualité de Tchokwe. Sobre que
rien. Et avec ça, on aura toute la capacité de célébrer les saints. Qu'est-ce qui donne le réveil? On aura la capacité de manger tout au mal et les pas du Seigneur. Là, ça va nous pousser à nous sanctifier au jour le jour. Mais quitter les hypocrisies. Et tu n'as pas le temps. Et je complote contre mon frère et puis je vais encore prier. Je dans la vie des impuristes, je vais manger encore les repas du Seigneur. On n'aura pas ces temps-là. On voit que vous avez ajouté. On n'en aura pas. Vous avez ajouté. Ça va, cela va accélérer notre processus du perfectionnement. Parce que c'est pour cela que nous sommes venus, pour devenir meilleurs. Toi, y'a gardé quoi de tout comme un j'ai dit, c'est pour cela que nous sommes venus. Les repas du Seigneur. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Nous allons prier le texte que nous allons prier. Remercions d'abord le Seigneur pour l'enseignement. Remercions le Seigneur pour la parole. Je me place sur la route du ciel. Je me presse sur la route du ciel. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Salve la mort. Merci pour ta, ton amour. Salve la mort. Tu sois assis à sa paix. Si que tu vous sens un peu son aïeux. Oh Dieu, sa paix, mon amour, sa paix.